On a travaillé dur, on s'est entraîné dur, faire l'adversaire on ne le connaît pas. Moi je me connais, donc pas de pression et on va faire le taf. Voilà. J'ai connu pas mal de combattants, là, étant entraîneur et coach. Je vois qu'il a une progression très rapide et au niveau de sa puissance, il m'épate. Donc on verra s'il pourra la mettre en place ce soir. Oumar, c'est quelqu'un d'archi complet en lutte, en sol, en pied-point, ce qui fait que, bah, moi je le dis, c'est un très bon quoi. Après avoir contre meilleur, parce qu'on sait que maintenant on va être avec ce type de KO, et je lui dis tout de suite à la fin du combat, on va être attendu et on sait que les mecs qui aura en face, ça va être du lourd. Donc il va falloir encore plus se préparer. Donc il s'est mis dans la merde entre guillemets et c'est ce que je veux dire. Voilà. Comme on dit, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que le travail qui paye et puis voilà.